Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nana Dewey Cuisine qui est ma chaîne de cuisine en français. Si vous voulez celle en anglais, c'est Mrs. Dewey Food aussi sur YouTube. Alors, la recette que je vous présente aujourd'hui est la recette de la sauce tomate aux ailes de poulet frites. Elle est super bonne. Vous pouvez manger ça avec tout ce que vous voulez du manioc, du riz, des pommes de terre. Tout ce que vous voulez, elle est juste excellente. Il y a des légumes frais dedans. Donc, euh, franchement, écoutez-moi, vous devez vraiment essayer cette sauce. Ce n'est pas une blague. Si vous êtes intéressé, alors, commençons à regarder la recette. Alors, pour cette recette, j'ai frit des ailes de poulet, dont je vais vous donner aussi la recette. C'est très, très simple à faire. Pour euh, ma sauce tomate, j'ai mélangé euh, trois boîtes de tomates, quatre gousses d'ail, quatre piments, un oignon, du gingembre et un peu d'oignon vert que vous pouvez utiliser dans la salade. Alors ici, j'ai des poivrons, j'ai le vert, le jaune et le rouge. Vous pouvez même utiliser l'orange si vous voulez. Ici, j'ai... Des oignons verts, pas trop. Là, j'ai une boîte de tomates en purée, une boîte complète. Ici, j'ai découpé deux oignons moyens. Vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Pour l'assaisonnement, j'ai une cuillère à soupe d'assaisonnement tout plat, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe euh, d'assaisonnement euh, magui et une cuillère à soupe d'assaisonnement poulet. J'ai aussi une cuillère à soupe de thym et une cuillère à soupe de curry. Pour cette recette, je vais utiliser de l'huile végétale. Alors commençons. Dans une casserole, rajoutez de l'huile et attendre que l'huile réchauffe. Lorsque l'huile est assez chaude, rajoutez-y vos oignons coupés. Mélangez et laissez frire à peu près deux minutes. Ensuite, rajoutez votre boîte de tomates concentrées ou tomates purées. Mélangez et laissez cuire pour à peu près 2 minutes, encore une fois. Ensuite, vous pouvez rajouter votre curry et votre thym. N'oubliez pas de mélanger et de laisser cuire pour à peu près 1 minute. Ensuite, vous pouvez y rajouter votre sauce tomate faite maison. Mélangez bien et ensuite, laissez cuire couvert pour à peu près 20 à 25 minutes à feu moyen. Après 20 à 25 minutes, vous voyez que il y a un peu d'huile. Mélangez et ensuite, rajoutez vos ailes de poulet frit. Et donc, comme je le disais, cette recette est très très simple. Ensuite, donnez-y un petit coup de mélange rajoutez-y vos poivrons donc le poivron vert le jaune et le rouge si vous désirez rajouter d'autres euh, euh, légumes allez-y ensuite rajoutez-y vos oignons verts et mélangez et ensuite vous pouvez rajouter le reste de vos épices donc, euh, le sel, le maggi, l'épice poulet, euh, l'épice euh, tout plat, mélanger, couvrir et laisser cuire pour à peu près 10 à 15 minutes à feu lent. Et voilà, votre sauce elle poulet frit est réussie, elle est parfaite. Voilà, ma recette est terminée. J'espère que vous avez aimer la regarder et que vous allez aussi l'essayer. Euh, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai mon possible pour vous y répondre le plus vite possible. Je suis vraiment désolée parce que euh, ça me prend du temps de télécharger des vidéos sur cette chaîne parce que j'ai encore une autre chaîne et c'est très très difficile de, de gérer deux chaînes. Désolée pour mon accent maintenant. J'ai l'impression que je commence à avoir un accent parce que je fais que parler anglais. Mais bon, voilà. <laughs> Merci beaucoup d'avoir regardé cette recette et à très bientôt pour une autre. Laissez-moi des commentaires. Faites partager ma chaîne. Et likez mes vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.